On pourrait parler du rôle de l'Église catholique dans le génocide des Tutsis. On pourrait parler aussi du rôle de la Belgique, de la Suisse, des Nations Unies, des États-Unis et puis de bien d'autres. Mais c'est surtout la France qui a eu un rôle à part. La France s'est beaucoup impliquée. Ce qu'on montre dans notre livre, c'est que Mitterrand a fait comme les présidents français avant et après lui. Il a fait comme dans beaucoup d'autres pays francophones, c'est-à-dire il a eu comme but de préserver la stabilité d'un régime qui lui était fidèle, sans s'émouvoir du tout des conséquences pour le peuple concerné. Et là, dans le cas de Mitterrand au Rwanda, les conséquences, c'est le génocide des Tutsis. Et les Français ont comme ça soutenu les extrémistes hutus avant, pendant et après leurs crimes, en connaissance de cause, parce que les Français étaient vraiment parfaitement alertés en temps réel et avec un effet sur les crimes commis. Pour ces trois points réunis, le soutien actif, la connaissance du crime et la conséquence du soutien sur le crime, on peut parler de complicité de génocide.